habitué à ne pas se croiser sur une idée des dirigeants du Stade Toulousain et de la brasserie qui sont venus manger chez moi début septembre, m'expliquant un peu le concept. Ça a fait ni une ni deux et la réponse a été oui, avec grand plaisir et une grande fierté de participer à cet événement. J'ai choisi de faire un bœuf petit pois carotte qui allie la tradition un peu comme les valeurs du rugby, donc quelque chose de gourmand, de rassurant, comme un peu un paquet d'avant on va dire. Et puis allez, après on est allé sur la finesse, comme peuvent être les trois quarts et Jean-Marc qui m'accompagnent aujourd'hui. Donc un jeu de texture avec des carottes crues, des carottes cuites, des petits pois, des asperges, tout ça sur un petit dressage un peu délicat, comme les lignes d'arrière du Stade Toulousain. Il y a quand même le mythe Stade Toulousain et ma première année où je travaillais chez Michel Sarran, 2001, Brennus, 2003, la Coupe d'Europe, donc ça me rappelle voilà, toute cette ferveur, la ville un peu en feu, on va dire, des grandes fêtes populaires. Et aujourd'hui, en tant que chef restaurateur installé dans la ville rose, une fierté de croiser chez moi quand même une grande partie des joueurs, des dirigeants. C'est avec une grande fierté que je les reçois et que je partage un peu de ma passion comme eux peuvent partager de leur passion quand le week-end est venu et que je me déplace à Ernest Vallon. J'avais déjà eu la chance de croiser Jean-Marc et aussi le chef de la brasserie, donc ça m'a permis un peu de partager un moment de franche rigolade et de camaraderie sur cet après-midi. J'ai été amené à participer aujourd'hui à l'opération Passe Croisée dans le but d'échanger et de pouvoir rencontrer des chefs et je pense eux aussi avoir un métier passion comme nous on a la chance de vivre au quotidien. Et voilà, l'opération m'a séduite et j'espère que ça sera un succès dans le futur aussi. Donc le plat que j'ai choisi pour cette opération est le rotolino di vitello. C'est un plat italien que j'ai eu la chance de goûter dans un restaurant à Toulouse et qui m'a vraiment plu. Qui est une escalope panée de veau avec du jambon, de parme et de la mozzarella. C'était un peu le clin d'œil que je pouvais faire à mes origines du côté maternel où ma mère est italienne. Et voilà, j'ai trouvé ça plutôt rigolo et c'est pour ça que j'ai choisi ce plat. Au quotidien, c'est important déjà de nous, de sportifs, de bien s'alimenter et forcément de bien manger pour tout ce qui est récupération et que l'organisme en tout cas fonctionne bien. Et le fait d'avoir des origines ariégeoises, j'ai été habitué à bien manger et à avoir des bons produits, que ce soit chez mes parents ou que j'aime vraiment voilà, bien manger au quotidien. Et donc voilà, c'était le moment d'en profiter.